Bonjour à tous, la Vessalico, j'espère que vous allez bien. La fin de semaine, et qui dit fin de semaine dit un bon dessert. Lioma, le dessert est revisité, comme d'habitude. Vous connaissez tous le tiramisu. Là, on est sur une version plus fun, plus, on va dire, nouvelle. Dès le tiramisu, c'est la tiramisu tarte. Voilà, la tarte tiramisu avec un petit fondant de chocolat, avec toujours les biscuits imbibés de café et Mulfort, un bon crémeux à base de mascarpone, sans œufs cette fois-ci. Vous allez adorer. On passe à la présentation des ingrédients. De cette tarte tiramisu, on aura besoin de biscuits sablés. Un arditada complet parce que j'aime bien que le comédilo sablé normal, mais avec j'y suis. Bien sûr, la mascarpone, tiramisu de la mascarpone, mekayinch, zbda, la vanille, la poudre de cacao, la crème fraîche, skar, chocolat ou le kahwa. Ça sera une tarte tiramisu blabette du coup. On passe à la préparation. Alors d'abord, la première étape, il y a la base de la tarte DLT. Radin soba à base de biscuits sablés, vous l'avez compris. Ana kima qult lkom dertou complet. Je pense que c'était واحد un plus fait le gâteau spécialement, la tarte spécialement. Alors ana tahnt le biscuit kima qult lkom, ha houa da tahntou. Khlit quelques pièces pour le montage. Donc tout le biscuit est tahnt. Anzid alih zbda daiba. Et après je commence à faire, ou là plutôt à bénir, parce que c'est vraiment ça, je commence à placer le moule. Alors l'idée est que vraiment zbda ou biscuit kounou homogène, mais tu connais ça fait à bzaf diel biscuit nashef ou chez blasa tu connais amra bzbda daiba, mais comme ça une fois que tu l'as déjà le mélange et que ça revient comme un vrai biscuit. Voilà, je pense que c'est bien. Je fais encore un dernier petit tour. Alors, le mélange, si je le tasse, il prend une forme. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, on va le placer dans un moule comme ça, dans le kit. Je vais vous faire un petit démouler. Je vais le faire correctement. On va le faire pendant minimum une heure. Mais je vais le faire, pardon. Je vais vraiment faire et rapidement. Je vous montre le résultat final. J'ai déjà fait l'exercice. Ça donne ça. Je vous montre exactement. Donc voilà ce que ça donne. Une tarte. Une soba avec biscuit ou zbda. Assez épais, 8 mm près. Et on commence donc la deuxième étape, la préparation de la ganache chocolat café. Et je vous reviens. Alors le chocolat, il y a la crème fraîche. C'est déjà une belle ganache. On va ajouter un peu de kahwa. Alors, le mélange homogène ou brillant, une petite touche. Voilà, le mélange d'Eli, on forme le fond de tarte les soupes avec le biscuit. Et on passe à la dernière étape, le crémeux mascarpone. La petite ganache jelly d'Erta, radi tibrit ou radi tirja encore plus onctueuse. Radi nakhod le sablé d'Eli, bhal kima kandiro tiramisu, handozo fil kahwa. On a tout à l'ouge.
je prépare la mascarpone. Dernière étape, le crémeux mascarpone. Rallier la mascarpone, je suis de la crème fraîche, la vanille et une touche de sucre. Je mélange le tout et je vous reviens pour le montage. Et voilà. Nous avons un peu la texture de la crème qui est là. C'est du warfa. Il y a de la vanille qui est délicieuse. Sans la mascarpone, il y a la signature d'un tiramisu. Je pense que c'est une flemme de la tarte d'air. Je commence juste à poser la crème et à décorer. Et bien sûr, je décore avec la poudre de cacao. Et voilà. La tarte elle est prête, Anjmer. Le plan d'Eli et je viens vous présenter mon petit chef-d'œuvre parce qu'elle est simple, facile, mais la bouche, c'est une explosion. La tarte tiramisu elle est d'Ujtette, qui me rend compte qu'elle dit exceptionnelle parce que et je vais vous montrer à la découpe qu'elle dit avec un petit fondant à l'intérieur, le loustani avec le biscuit imbibé bleu café, forme le crémeux mascarpone qu'elle dit incroyable, qu'elle dit différente. C'est pas une tarte qu'on a l'habitude de voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'elle dit jarbouha, à chaque fois, et peut-être même vous allez zapper tiramisu classique. En tout cas, pour toute personne intéressée par encore plus de recettes, maintenant ça aussi de vous abonner, je vous le dis à chaque fois, de liker, de commenter, de partager pour m'encourager et aussi pour encourager les gens à reprendre des recettes. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.